Donc derrière moi, c'est Angkor Wat, donc c'est le temple le plus connu d'Angkor. Hein. C'est vraiment un symbole national ici. Tous les Cambodgiens viennent en pèlerinage. Et c'est un des temples les plus connus d'Angkor, si ce n'est le plus connu. C'est le plus gros édifice religieux de la planète, donc il est juste énorme. En effet, il fait quand même un rectangle de 1,5 km sur 1,5 km, donc ça donne quand même une idée de sa grandeur. Il est vraiment très majestueux et très imposant. Alors après, nous, c'est vrai qu'on l'a trouvé un petit peu moins fin, peut-être, et un petit peu moins joli que d'autres temples d'Angkor, mais en effet, par contre, on peut pas lui retirer sa grandeur. Alors pour sa construction, il a quand même fallu 300 000 personnes et 600 000 éléphants, donc on imagine un petit peu l'ardeur de la tâche. Alors pour la petite histoire, il semble avoir jamais été totalement achevé, mais par contre il aurait jamais été laissé aux mains de la nature, donc il a toujours été habité, entretenu. Encore ça creuse un peu, hein, donc on s'est posé pour faire un petit pique-nique. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le pique-nique? Alors on a du pain, on a de la petite vache qui rit, on a des petites chips, du petit saucisson et on a pris les petits ananas. Ils viennent d'être fraîchement découpés. Léo est épuisé des visites. Tel un petit zombie, il a dû se lever à 4h45 du matin. C'était tellement difficile. C'est un des temples assez haut quand même et qui est bien réputé pour le coucher de soleil. Donc on va pouvoir voir le petit coucher de soleil ce soir. Après ces trois journées intensives de visite, de temple d'Angkor, etc., on s'est dit qu'on allait en profiter pour prendre un petit peu de bon temps pour nous. Donc on a laissé Léo faire du montage vidéo. Et nous, on va aller prendre soin de nous. Donc on va aller se faire manucurer et pédicurer pendant, je pense, une bonne heure et demie. Voilà, on va un peu profiter, faire un peu nos princesses. Je profite que ma copine est là pour pouvoir me le permettre. Grand moment princesse du trip de Marine. Ah ouais, c'est bien compliqué quand on est chatouilleuse. On douille un petit peu quoi.